Bonjour tout le monde, c'est moi Homer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière. Et aujourd'hui mes amis, on va jouer à Amanda's Aventuré. Oui, c'est pas une blague, on va jouer à ce jeu. Alors je vais vous expliquer avant de commencer cette vidéo, en gros voilà. En gros les amis, je sais pas si vous avez été au courant de cette annonce. C'est que Amanda's Aventuré est sorti sur Nintendo Switch. Après la sortie du jeu sur PC il y a quelques mois, ils ont sorti sur Switch. Voilà, donc du coup les amis, ça a été annoncé qu'apparemment Amanda arrivait sur Switch. Et c'est officiel, le jeu est sorti. En tout cas, c'est vrai que j'étais plutôt surpris. Je pensais pas que le jeu arrivait sur Switch, mais forcément voilà. En tout cas, c'est quand même bien comme ça, ceux qui n'ont pas de PC puissent pouvoir profiter de ce jeu vraiment incroyable. En tout cas, c'est vraiment super bien. En tout cas, voilà les amis, donc aujourd'hui, on va rejouer à Amanda's Aventuré. Voilà, donc on avait déjà joué à ce jeu, mais après, voilà, on avait déjà joué à ce jeu. En tout cas, si vous voulez voir la playlist avec toutes les vidéos qu'on a fait sur Amanda, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube les vidéos qui seront sur la playlist si vous voulez aller voir. Voilà les amis, donc on va rejouer à ce jeu. Mais par contre les amis, ce qu'on va faire, c'est que on va faire qu'une seule partie de ce jeu. On va faire qu'une seule fin parce que on a déjà joué au jeu complet il y a quelques temps maintenant. On a déjà fait ce jeu. Et donc là c'est la version Switch. C'est la version Switch du jeu. En tout cas, il y aura quelques changements par rapport à la version PC. Et apparemment dans la version Switch, t'as des choix. Tu peux choisir quand Amanda te pose des questions. C'est vraiment bien. Bah, ça veut dire que maintenant t'es plus obligé d'écrire la réponse. Il te propose des choix que tu peux choisir. Voilà les amis, donc dans cette vidéo, on va jouer à Amanda's Aventuré pour cette vidéo. Je sais qu'on a déjà fait ce jeu au complet, mais voilà. J'ai décidé de faire pour le plaisir de tester ce jeu en version Switch pour le plaisir pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Voilà, donc du coup les amis, en tout cas, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Et ben voilà les amis, donc on va jouer à Amanda pour cette vidéo. Donc la version Switch, pas sur PC, donc la version qui est sortie récemment sur Switch. En tout cas, on va découvrir ce que c'est, nous allons voir ce qu'il pourrait avoir comme nouveauté, voir quel truc, des changements par rapport à la version PC. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, les amis, je vous souhaite à tous un bon visionnage avec le jeu Amanda qu'on va jouer sur Switch du coup. Et en tout cas, les amis, bah, j'espère que vous allez apprécier. Voilà, du coup, les amis, on va commencer. On va aller dans les options. Normalement, j'ai mis en français. Normalement, ça doit être bon au niveau des réglages et tout. Voilà, normalement, ouais, je crois que c'est bon. Bon, on va faire une nouvelle partie. J'ai lancé le jeu avant pour voir. Voilà, les amis, c'est parti. Ah bah, les amis, c'est parti pour le jeu. Bon, on sait ce que c'est. On a déjà lu cette lettre, donc on va skipper ça. Voilà les amis, donc on va jouer à ce jeu, en tout cas j'espère que vous allez apprécier. Alors, ah ouais, donc là nous sommes dans le jeu, voilà, il faut contrôler avec le joystick de la manette. Voilà, donc c'est le jeu Amanda qu'on avait joué, vous vous rappelez. Voilà, donc vous pouvez faire ci, des trucs comme ça. Donc là c'est le but du jeu, c'est de re regarder des cassettes et faire des trucs. Bah du coup les amis, on va mettre la cassette. Ah bah du coup les amis, c'est parti avec la première cassette de Amanda. Allez, c'est parti les amis. Ok, et moi c'est Wally. Aujourd'hui on va faire une tarte aux pommes. Ok, moi je préfère la tarte aux pêches. Alors, et toi, c'est quoi ta tarte préférée? Ah d'accord, donc là les amis, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs choix. Là vous pouvez choisir ce qu'on veut. On va mettre Wally. Je vais mettre Wally, lol. Ok, tarte aux pommes. Tout d'abord on va couper les pommes. Avec quoi pourrons-nous couper les pommes? Donc là, on peut choisir 4 propositions. Alors, on va mettre encore Wally. Ok, alors je vais mettre marteau. Non, je vais mettre alors ça. Ok, on va mettre cuillère. Attends, c'est un peu répétitif là. Ah d'accord, on peut se tromper autant de fois. Ah d'accord, on peut se tromper plusieurs fois. Ok, je crois que ça change rien. On va mettre couteau. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ouais. Alors, on devrait peut-être demander de l'aide à un adulte. Alors, quand on est seul, il faut s'accrocher et prendre les devants. Regarde, je suis un pirate. Hey. C'est dangereux, ça, non? Brille. Allez, Willy. On va couper les pommes. Ouais, c'était dur. On a presque tous les ingrédients pour faire notre tarte. Il nous manque juste le sucre.
Ah oui, le sucre. Sais-tu où est rangé le sucre? Alors, serait-il dans le placard, dans le frigo, dans l'évier? Alors. Ah ok, donc là, on peut choisir avec le joystick comme ça. Ok, on va prendre... on prend celui-là. Et non, réessaye. Et non, le frigo. Tu veux pas m'aider? Je vais encore cliquer sur... ouais, on peut choisir comme ça. On va cliquer sur ça. Alors, où est le sucre? Bah, je crois... Ah ok, je crois qu'on est obligé de cliquer là. Voilà. Ok, voilà. Mmh, tu sens cette bonne odeur de pommes et de cannelle. Ah, ce célèbre jeu inspiré de Dora l'exploratrice. Alors, tout d'abord, préchauffe le four à 425... Voilà. Tu crois que c'est une bonne idée qu'on utilise le four tout seul? Quand c'est comme ça, il faut mieux demander à ses parents. Je sais pas trop où ils sont. Ok, on est rien que tous les deux. Alors, tout d'abord, préchauffe le four à 425 degrés. Voilà. Maintenant, on met les pommes dans le moule à tarte. Et ensuite, on met au four et on fait cuire pendant 40 minutes. Ok. Ouais, notre tarte est prête. J'ai trop hâte d'y goûter. Allez, Wooly, mangeons notre tarte. Ok. Donc, c'est la fin de la cassette. Ok, on va... Donc là, c'est pour s'accroupir comme ça. Donc là, on va mettre la cassette là. Voilà. Du coup, les amis, ce qu'il faut faire, du coup, c'est de faire comme c'est indiqué. Donc, il faut juste mettre 40 minutes et 425 degrés. Voilà. Là, il faut mettre à comme ça. Et là, je crois qu'il faut mettre... faut ouvrir ça. Mettre la pomme dans la moule et on peut mettre dans le four. Comme ça. Et normalement, on a une cassette. Voilà. Ça, c'est bon. Du coup, les amis... Ah bah, du coup, les amis, c'est parti pour la prochaine cassette. Vous êtes prêts, les amis? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la cassette. Amanda's Aventuré. Ce célèbre jeu. Salut les amis, c'est Amanda et moi c'est Wooly. Enfin, pas l'autre. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton quartier? Rien, lol. C'est génial. Ça me plaît bien, il y a tout plein d'amis dans mon quartier. Aujourd'hui, je voudrais envoyer un petit quelque chose à une amie. Tout d'abord, il faut que j'aille au magasin pour lui acheter une carte. Sais-tu où est ce magasin? Donc là, on peut choisir. Si je mets le post office. Ok. On va mettre ça alors. Il y a écrit store dessus. On va cliquer encore sur ça. J'ai pas toute la journée, hein. Lol. Ok, je crois qu'on est obligé de cliquer sur la boutique. Ouais. Alors, on va choisir une carte. Mon ami m'a aidé quand j'étais triste. Quel genre de carte pourrais-je lui envoyer? On va prendre celui-là. Tu penses que c'est ça ce qu'il faut? Alors, celui d'anniversaire. Comme ça. Ce n'est pas son anniversaire. Ok, on va cliquer sur ça. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui nous a aidés? Donc là, on n'a pas le choix, faut cliquer là. Super, j'ai trouvé la carte parfaite. Et maintenant, on a une autre course à faire. Alors, il faut toujours remercier ses amis quand il faut des choses gentilles pour nous. Je voudrais envoyer des friandises à mon ami. Je peux aussi avoir quelque chose, moi aussi. Ok, où est-ce que je pourrais trouver des friandises pour mon ami? Allez, le post office. Ouais, c'est super chouette d'envoyer des colis de friandises à ses amis. Ah lol. Encore faire ça. J'espère juste qu'elles ne rassiront pas avant qu'on arrive. Alors, tu peux me dire où aller. Donc là, on est obligé de cliquer, on est obligé de faire ça. Voilà. Bien joué! Et hop, allons aller chercher ces friandises. Wow, qu'est-ce qui se passe à la cassette? What the fuck? Ok. Par contre, les amis, il y aura un screamer. Si je m'en rappelle, il y aura un screamer. Attention, screamer. Wow! What the fuck? C'est creepy, hein. Alors, peux-tu me montrer où sont les biscuits? Si je clique là. Je pense pas que ça plairait à mon ami. Alors, celui-là, du coup. Je peux pas aller envoyer ça par la poste. Ah, encore celui-là, alors. I want the cookies! Wow, Amanda s'énerve. Ok, faut cliquer là. Wow, ça a l'air tellement bon. On a une dernière course à faire dans le quartier. Alors, le colis pour mon ami est prêt. Elle habite assez loin, alors je dois y envoyer par la poste. Ok, wow, il se fait tard. La plupart des magasins sont fermés. On va pas encore l'envoyer aujourd'hui, je crois. Je dois envoyer le colis à mon ami. Allez, direction le bureau de poste. Allez, envoyons ce colis à mon ami. Et son nom? Et on ne sait pas.
Voilà. Je m'en souviens plus. Alors, tu peux m'aider? On peut revenir demain sinon. Tu n'es pas obligé de l'envoyer aujourd'hui. Non, je dois faire ça maintenant. Aide-moi. Help me. À qui je dois envoyer le colis? Alors, on a John, Ryan, Noah, Liam. Ok, on peut choisir. On va mettre Noah. Alors, non, ce n'est pas ça son nom. Emma. C'est important que tu connaisses son nom. Kate. Oula! Ah, ok, d'accord. Donc là, on peut choisir que Kate. On peut choisir que Kate, ok. On va pouvoir envoyer le colis à mon ami. Alors, j'espère qu'elle aime bien les biscuits. Ok. Ah, d'accord. Donc là, on devait choisir que Kate, en fait. Ah. Ok, c'est fini. Crédit, Rebecca. Ok. Amla, follow Ostophone. Cassette terminée. On va passer au prochain cassette. Voilà, donc je pense qu'il faut utiliser le piano. Ouais, il faut utiliser le piano. Si je me rappelle bien, c'est CBF, je crois. CFB, CBF. Je crois que c'est ça. Attends. Ah, comme ça. Comme ça. Ah, ça marche pas. Ah, attends. CBF. Voilà, c'est bon. Donc là, on a la cassette et on va la prendre et on va faire la cassette. Eh ben, mes amis, c'est parti pour la prochaine cassette. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah, Wally, oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu fasses? Surtout ne pas... Ah là là, ce fameux truc. Oh non, Wally a eu un accident. Oh mince. Un accident, c'est quand quelque chose d'assez grave, ça arrive, mais que c'est la faute à personne. Ok, tu peux avoir un accident à la maison, à l'école, quand tu joues au parc. Tu peux te faire mal à peu près n'importe où. À 15h45. Ah ok les amis, là il faut mémoriser. Attends, 15h45, ok. Je n'ai pas... Ok, où pelote a-t-il la mal? Alors, oreille, genou, oreille, pied. Les pieds, lol. Ok. Les oreilles. Fais vite, il est blessé. Le nez. Ah. Attendez, c'est la même chose, c'est la même chose. Ah d'accord, bon on va mettre genou, on va mettre genou. C'est ça, Wally s'est fait mal au genou. Quel genre de personne peut soigner les bobos? La sœur, lol, lul. Je ne pense pas que cette personne puisse nous aider. Un assassin, on va assassiner Wally. Tu ne veux pas aider Wally ou quoi? Feur, boulanger. Attention les amis, Amanda va s'énerver. Attention, Amanda va s'énerver. Oh putain! Ok. Tu me fais perdre mon temps et ma patience. Ok, qu'est-ce qui se passe si je me trompe? Si je mets sœur? Ah, c'est la même chose? Ah, ok, c'est la même chose, ok. Attention. Ok. Ok, 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 ok. Ok, donc là, il faut mettre docteur. Enfin, docteur. Alors, Wally doit avoir un docteur, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Alors, regardons-le. Donc là, ok. Dans quel sens pourront-on trouver un docteur pour aider Wally? Si je mets la bouche. Je ne pense pas que ce docteur puisse aider Wally. Le cœur. Wally a vraiment très très mal. On va cliquer là. Tu dois m'aider à trouver le bon docteur. Ouais, faut cliquer là du coup. On n'a pas le choix. Viens, on va réparer Wally. Attends, après 22h50. J'ai vraiment mal, Amanda. Le docteur arrive bientôt. Le docteur n'est pas là pour l'instant. Essayons d'aider Wally par nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous permettrait d'examiner la blessure de Wally? Le moniteur cardiaque, l'appareil de radiographie ou la balance? Si je mets celui-là. Waouh! Waouh, regardez ce truc rouge, what the fuck? Celui-là. J'ai peur. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Ouais, il faut utiliser ça du coup. C'est ça! Comme ça, on va pouvoir voir les os de Wally! Ok, c'est fini l'épisode. Et franchement, Amanda, c'est vraiment un jeu creepy. Hein. C'est inspiré du dessin animé emblématique Dora l'Exploratrice. 2001 Hamelin Entertainment. Ok. Hamelin a Follow Stofan. Ok. Cassette terminée, on va passer à la suite. Donc là, il faut indiquer les heures. Donc là, si je m'en souviens bien, si je m'en rappelle bien, normalement, je devrais savoir les heures. On va essayer de pouvoir. Faut se mettre comme ça. Attends. Ah, comme ça. Attends, comment on fait, attends. Oula, c'est un peu bizarre les contrôles, là, pour bouger les aiguilles. Oula, comme ça, attends. Merde. Oh, purée.
La vache quoi? Attends. Merde! Mais qu'est-ce qu'il me fait? Eh, c'est bizarre, c'est... Attends. Comme ça? Faut descendre? Normalement, ça doit être ça, les bonnes heures. Ah, merde. Attends. Peut-être c'est ça. Tac. 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 Comme ça. Ah, voilà, ça marche. Donc ça, c'est fait. Après, on a celui-là, je crois. On va aller voir. Normalement, si je me trompe pas, ça doit être ça. Attends, non, je crois que c'est plutôt ça. Attends, comme ça. Non, attends. C'est pas ça. C'est pas 22h50. C'est pas comme c'est marqué. Attends, si je me rappelle, si j'ai bien vu. Non, j'ai pas l'impression. Attends, comme ça. Et après, je mets l'autre côté. Comme ça. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Ah, purée. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, je crois pas. Non. Ouais, c'est ça. Oh purée, je suis perdu. Attends. Non. Comme ça? Je sais pas moi. Attendez, attendez. Comme ça? Ah voilà, c'est bon. Donc là, c'est fait. Ensuite, on va aller là. Ah oui, c'est vrai, il faut l'aiguille en fait. Non, en fait, il faut l'aiguille qui manque. Faut essayer de chercher l'aiguille. Il doit être quelque part, je crois, ici, non? Je vois pas l'aiguille. Je vois pas. Attends. Ça j'ai fait. Ça j'ai fait. Attends, c'est ici? Non, là c'est le cadenas. Le piano. Ou alors ici. Peut-être ici il faut le mettre le réveil. Je crois que c'est 10h, un truc comme ça. Attends, comme ça. Voilà. 10h50. Quoi, ça marche pas? What? Attends, Ah, ça marche pas? Attends, Ah, peut-être PM, peut-être. Attends. Ah, purée, je fais n'importe quoi. Attends, tac, 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 tac. Comme ça? Yes! Ok. Maintenant, il reste plus que... Que trouver le grand horloge, le cadenas, je sais pas. Ici, non? Non? Je sais même pas, je sais plus c'est où l'aiguille. Ah, peut-être là? Ah! Ah, voilà, l'aiguille est là. Ok, j'ai trouvé l'aiguille. Du coup, on va aller ici. Je crois qu'il faut mettre l'aiguille ici. Voilà, donc j'ai mis l'aiguille. Et normalement, si je me trompe pas, on va voir. Ça doit être ça, je crois. Comme ça. Yes! Ok, les amis, on a débloqué une nouvelle cassette, du coup. Du coup, on va pouvoir aller mettre la cassette, du coup. Eh bien, mes amis, c'est parti pour la dernière cassette. Je crois que c'est la dernière. Rebonjour, c'est moi, Amanda. Et moi, c'est Wally. C'est une belle journée pour un pique-nique. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus manger à un pique-nique? Du caca, lol. Ok. Berk, Amanda. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Je n'ai jamais senti ça de ma vie. Je ne sais pas, Wally. Tu as raison, ça sent mauvais. D'après toi, d'où peut provenir cette mauvaise odeur? Alors là, si je me trompe, si je prends celui-là. Non, ça n'a peur d'être ça. Alors celui-là. Tu fais exprès ou bien? Si je me trompe encore. Voilà. Qu'est-ce qui sent mauvais comme ça? Wouah, regardez ces trucs rouges. Ok, faut cliquer là. Pio, tu as raison. Ah, c'est dégueulasse. Ah, Berk. Ouais. Ce tronc d'arbre aussi, il est pourri. Est-ce que tu sais pourquoi? Fur, quand une chose n'est plus vivante, elle pourrit. Connais-tu le contraire de vivant? Ok, donc là, mort, cool, Kate est riche. Si je mets Kate, regarde la souche de cet arbre. Si ce n'est pas quelque chose de vivant, qu'est-ce que ça peut être? Heureux, happy. Je crois pas que nous devrons aborder ce sujet. Riche.
C'est quelque chose qui te fait peur? Malade? Ah! Ah d'accord, c'est la même chose. Ok, mort. Le tronc d'arbre est mort. Le contraire de vivant, c'est mort. Good job! Une plante peut mourir si elle n'a pas assez d'eau ou de lumière ou qu'elle a une maladie. Et si on se concentrait sur notre petite pique-nique, hein? Les animaux aussi ont plein de façons de mourir. Regarde le pauvre monsieur renard, il est mort, il est tout pourri. D'après toi, qu'est-ce qui a pu le tuer? Le pistolet, le couteau ou les bêtes toxiques de ce buisson? Le couteau. Je ne pense pas que ce soit ça. Le fusil. Non, ce n'est pas ça. Regarde sa petite langue, il est un peu bébête. Qu'est-ce qu'il a tué? Le buisson. Ce serait chouette s'il pouvait nous le dire, non, Brille? Ok, monsieur renard, qu'est-ce qui t'a fait mourir? La trappe de l'ours. Voilà, c'est à cause du piège à ours tout moche. Monsieur renard n'a même pas vu son heure arriver. On est allé trop loin, Amanda. Je n'aime pas ça. On a découvert plein de choses aujourd'hui. Un sandwich pourri, un tronc d'arbre pourri, le monsieur renard tout nul et tout pourri. Attention, ça va être creepy. Parfois, je sens que moi aussi, je pourris. Mais ça semble très loin. Enfin, c'est loin. Il n'y a rien de pourri ici, Amanda. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que tout est pourri? Bien sûr que non, Amanda. Réponds à ma question. Rien ne t'oblige à répondre. Alors oui, peut-être, quoi, non, quoi. Quoi, faire? Pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Je sais pas. Tu dois me répondre. Eh bien, si je dis eh bien. Oh, oh putain! Ok, tu veux pas être mon ami? Réponds à ma question, s'il te plaît. Ouais, c'était creepy. What? Regardez, y'a que des oui. Y'a que des oui. Ah, je crois que c'est trop tard. Ok, les amis, je pense que c'est la fin du jeu. Je crois que le jeu est terminé. Je crois que c'est fini. Oula, le monstre Amanda. Attention les amis, attention Screamer. Oh là là, c'est creepy, hein. Et c'est creepy, hein. Attention les amis pour le Screamer. Voilà. Ok, c'est fini. Eh ben voilà les amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, c'était une vidéo découverte de la version Nintendo Switch de Amanda. En tout cas les amis, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, si vous voulez revoir tous les vidéos sur le jeu Amanda, bah, vous avez la playlist qui est juste là. Si vous voulez aller voir la playlist avec tous les vidéos qu'on a fait de ce jeu. En tout cas, bah, c'est vrai que Amanda's Aventurer restera un jeu d'horreur culte inspiré de Dora l'Exploratrice. Mais en tout cas, les amis, sur ces belles paroles, bah, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, je tiens à rappeler que la version Switch du jeu est sortie. Donc, je tiens à vous rappeler. Voilà, en gros, ça a été annoncé, c'était il y a quelques semaines maintenant, que le jeu Amanda est sorti officiellement sur Switch. Si vous voulez tester le jeu, bah, vous pouvez l'acheter sur le Nintendo eShop. Vous pouvez aussi procurer le jeu sur Steam, sur PC. Après, je sais pas si le jeu Amanda aura d'autres versions sur PS4, PS5, Xbox. On verra ça. En tout cas, les amis, si vous voulez procurer le jeu, bah, vous pouvez l'acheter directement sur le Nintendo eShop pour acheter le jeu Amanda's Aventurer. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, que pensez-vous de la version Nintendo Switch du jeu? En tout cas, si vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, bah, j'ai apprécié cette version, c'est une particularité. La particularité maintenant, c'est qu'on peut choisir, t'as 4 options, tu peux répondre avec 4 options. Et là, c'est sympa, après, bah, tu peux plus vraiment te promener librement avec le curseur pour choisir un endroit. T'as juste le choix entre divers endroits possibles. Voilà, bon, je vais pas continuer le jeu parce qu'on a déjà fait le jeu complet. Eh ben, du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà, les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà, les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très vite pour des nouvelles vidéos. Merci, les amis. À bientôt. Ciao. À bientôt.